Bienvenue pour un nouvel épisode sur SCP Containment Breach. Alors, on va faire une nouvelle partie pour deux raisons. On va laisser le map seed pour une bonne raison. Putain, j'ai oublié d'enlever l'intro. Alors, en fait, ma partie précédente, qui était prénommée, enfin, avec le map seed Boobs, en fait, on m'a dit que j'allais pas aller très loin avec, et en fait, on a plus ou moins vu le tour en entier. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, juste avant, j'ai enregistré déjà un autre épisode sur SCP, et que j'avais mis un autre map seed, j'avais mis le map... Putain, mais c'est vachement lumineux. J'avais mis le map seed Willon. Le problème, c'est que le map seed Willon a en fait généré exactement la même map que le map seed Boobs. Donc je sais pas si c'est un bug du jeu ou si y a un souci ou quoi. Mais en tout cas, voilà. Il y a un genre de truc qui fait que du coup ma map, bah, j'ai refait le tour. Et c'était exactement la même map que l'épisode précédent. C'est quoi ce bruit? Oh mon dieu, ils sont morts! Voilà, bon, il va encore y avoir le bruit hyper fort dans quelques secondes. Full seat down locked, double up access locked down system. Et donc l'autre bonne raison de refaire une nouvelle partie, c'est que c'est une nouvelle version, la 031, qui corrige des bugs... Putain, je rêve ou j'ai déjà entendu l'autre, là? Putain, mais ce bouton, il est trop chiant à attraper. Putain, c'est une blague. Putain, j'arrive. Ouh, j'arrivais pas à refermer la bonne porte. Non, mais c'est une blague. Donc en fait c'est une nouvelle version, la 031, et j'ai réussi à sortir la souris de mon écran. La 031, je vais fermer la porte, je vais essayer de me tirer pour voir si je change d'endroit. La 031 qui corrige des bugs de la version précédente. Parce qu'apparemment il y avait des bugs, style je sais plus quoi. Genre des boutons qui ne fonctionnent pas ou je sais pas quoi. Tiens, c'est marrant, je bloque. Tiens, mais lui il disparaît un peu là quand je m'avance. Quelle déception. Bon, on va repartir en avant, j'espère qu'il a un peu bougé. Ses fesses. Ouais, bon, j'ai acquis, il est plus là. J'ai complètement raté le retournement de souris. Putain, mais c'est quoi encore? C'est un truc de fou. Putain. Je me sens pas en sécurité, là, hein, pour tout avouer. Et donc voilà, donc là j'ai laissé un seed numérique parce que je pense qu'en fait il y a un bug quand on met un seed avec un texte. Parce que je pense que je sais pas pourquoi. Putain, mais. J'aimerais moi. Putain, mais. Diantre! Encore derrière. Ah non, ça va, c'est la salle. Masque à gaz. Il est là? Ouais, il a disparu. Il est plus là. Ah si, il est là. Pas de panique. No panicos. C'est quoi ce bruit? Bah, il est où? Oh! Putain de merde, je le voyais pas. Je sais pas où il a disparu. Oh, j'ai sauvegardé, je crois. Ouais, l'autre game. Ça va. Pas de panique. J'ai sauvegardé. Et donc voilà. Et alors apparemment, dans la version 03, donc le 106, donc celui qui traverse les murs et qui nous envoie dans sa propre dimension, apparemment, il a une toute... Putain, il est dans la porte, il fait chier. Apparemment, il a une toute nouvelle dimension. C'est plus juste des couloirs. Je crois que c'est des genres de plateformes ou je sais pas quoi. Où il se déplace? Il est où, là? Monsieur, vous êtes où? Et le 106 aussi, j'ai vu qu'il y a comme un genre de moyen de le... Wow! Qu'il y a comme un moyen de le...
Putain, mais... Ouah, pour un peu, j'avais pas repassé la porte. Putain, mais il fait chier, là. Putain, pourquoi il est dans la porte? Donc, apparemment, il y a un genre de... Putain, il y a un genre de système de porte... Je vais pas réussir à faire ma phrase. Il y a un genre de couloir où on peut électrifier l'air ou je sais pas quoi. Et apparemment, si le sensi se passe dedans, bah ça le... Putain, mais il est devant la porte. Regardez comme je pointe ma main vers l'écran que vous ne pouvez pas voir. Pourquoi il bouge pas? Ah, voilà. Wouh! Ça y est, on a réussi à passer. Oh bah quel miracle, dis donc, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. C'était quoi ce bruit? Bon, pour l'instant, j'ai toujours l'impression... Oh. C'est une blague? L'écran est devenu tout noir, et il y avait SCP-173. Putain de merde. Putain de merde de vache chier de putain de merde. It's not possible! C'est pas ouvrir la porte? Putain, mais ça fait grave chier. Je suis obligé de repartir en arrière où il y a rien du tout exprès pour qu'il... pour qu'il se fasse ailleurs. Tu fais chier. T'es moche. Putain, mais comment il a réussi à... aller aussi vite ici, quoi? C'est quoi ce bruit de pierre qui bouge, là? On repart par là. C'est quoi ce bruit de porte? Bon, il est revenu dans la pièce là, apparemment. Oui, non, oui, non, oui, non. Là, c'est les bureaux. Bon, on va essayer de repartir par là. Je vois pas. Je sais pas où il est, putain, me dites pas qu'il est encore là. Putain, il a ouvert la porte. Merde, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai double-cliqué dans l'inventaire, ça a ouvert la porte derrière moi. Pas de panique. Putain, il est encore là, regardez, il flotte en l'air. Oh, il tombe, il bouge! Il bouge! Il bouge, je le vois, il bouge! Il glisse! Il glisse! Il glisse! 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 Putain, ça fait grave chier, ça fait grave chier! Attendez, j'ai envie... Putain, mais je peux même pas passer, quoi! Ah! Je l'ai découpé en deux! Ça n'a pas marché. Diantre. Bon, j'espère qu'il disparaît quand je recharge la partie. Dites-moi qu'il disparaît, s'il vous plaît. Chargement. La 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 la, chargement. Wow. Oh, est-ce qu'il aurait disparu? Ouais, je crois qu'il est derrière moi, en fait. Bon, du coup, on peut continuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est dommage qu'on peut rien faire avec des trucs comme ça. Donc, j'ai trouvé un cheat. Fermer et recharger la partie. Ah, voilà, c'est ça, c'est les espèces de murs électriques. Et donc, apparemment, ça s'allume. Oh, putain de merde. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis mort. Bah, comment je suis censé passer ça? Ah, il y avait un truc height voltage avant. Si ça se trouve, je peux faire quelque chose, en fait, finalement, avec. Mais c'est bizarre, j'ai pas eu la main, là, qui marquait que je peux faire une action. C'est vrai, je peux pas passer. Et donc, apparemment, dans ce truc électrique... Bon, on va revenir en arrière. Non, mais non, mais non, mais non. Bon, ça a l'air toujours en marche.
vais fermer cette porte. Tiens, elle est là, l'autre. C'est trop nul. C'est con que je peux pas... Regardez, je passe à travers ce truc, ça sert à rien. Je peux rien faire. Ça veut dire que je suis bloqué, c'est quoi cette partie, quoi? J'ai vu une vidéo d'un mec qui... Oula, j'ai réussi à sortir la souris de mon écran. Qui tuait SCP-106 quand il passait là-dedans. Ah, peut-être que si je cours assez vite, je peux peut-être passer. Je ne sais pas. Char. Je m'en... Je sais pas ce qu'il charge. Le jeu met hyper longtemps pour charger deux modèles qui sont déjà dans la mémoire. Ah là là, je vous jure. Ah non, ça marche pas. Bon, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas comment je suis censé passer ça. De toute façon, il n'y a aucun autre endroit dans le jeu. De toute façon, il n'y a aucun autre endroit dans le jeu, donc c'est un mystère total. Comme une célèbre enseigne d'essence. C'est bizarre qu'il y ait un truc high voltage juste avant et que je peux rien en faire, quoi. Attendez, j'analyse la situation. Eh, hey, je suis passé. Hey. Bon, on va arrêter là. Je vais juste regarder quelle est la salle derrière. Ouais, salle standard. Voilà, donc. Et donc, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, bah, à plus.